Salut à tous, c'est Cosmic Bad Gaming. Aujourd'hui, nous allons tester Puyo Puyo 2 sur Super Famicom. Donc, vous allez voir, ça, il va y avoir des textes en japonais. Hein. Bon, je joue via le jeu qui est disponible sur Switch Online, enfin Nintendo Online. Voilà, c'est sorti en 1995, donc vraiment en fin de vie de la Super Nintendo ou Super Famicom, comme vous voulez. Allez, c'est parti. Donc le but, on va jouer des sortes de... Hop, attendez, voilà, hop. C'est un peu comme un sorte de Columns ou Tetris, mais bon. Donc on a des gouttelettes de couleurs et on doit assembler par 4. Moi je suis sur la partie gauche. Donc j'affronte l'ordinateur. On va essayer de se concentrer. Bon, au tout départ, ça va, c'est pas compliqué. Hein. C'est au fur et à mesure, plus on monte de niveau, plus la difficulté se fera ressentir. Hein. Hop, voilà, tranquillement, sans pression. Voilà, on va mettre les verts. Ensuite les violets. Ah, j'essaie de faire couleur par couleur, là. Jusqu'à là, ça va, tranquille. Allez, hop là. Ok. Oh, il en prend plein la vue, là. Oui, plus on envoie des vagues, plus en face, il prend des obstacles qui gênent dans la progression du tableau. Je cherchais le mot. Allez, pour l'instant, tout baigne comme dans de l'huile. L'expression, baigner dans l'huile. Ok. Bon, je regarde pas... Ouais, bon, voilà. J'allais dire, je regarde pas ce qu'il fait en face. Voilà, ça rapporte des points. Ok. Donc, petit instant aussi pour saluer mon partenaire associatif, donc AxoGeek. Donc j'en fais partie, j'en suis référent gaming. Et vous pouvez nous retrouver les mercredis et les samedis dans deux salles différentes à Saint-Quentin. Et nous avons aussi une page Facebook AxoGeek. Donc je vous invite à le visiter. Alors retour au jeu. Ok. Petite ambiance sympa hein, franchement au niveau de la musique. Ok, pour l'instant, on va essayer de bien rassembler, tranquillement. Dès que vous avez la possibilité d'en faire 4, hein, faites-les. Sauf si vous voulez calculer des coups pour faire mal à un moment à l'adversaire. Non, là, je vais faire les jaunes. Voilà. Alors, ouais, on va mettre les violets comme ça. Voilà, allez, double. On enchaîne. Ouh, par contre, ça enchaîne aussi derrière. J'ai intérêt à faire attention. Boum. Alors, c'est bien, c'est que c'est des jeux comme ça. Ça fait réfléchir. Donc, ça fait marcher un peu le cerveau. Hop. Ça fait travailler un peu les réflexes et la mémoire. Hop. Allez, encore la double. Ça va lui faire mal. À bobo. Ok. Hop. Bon alors logiquement là je devrais l'éclater là. Allez, dernier coup je pense. Ça serait bien, dernier coup. Ah oui, il en prend plein la gamelle. Allez. Oh là, attention, il enchaîne. Oh là là, je me suis vu trop parfaite là. Allez, s'il te plaît, voilà. Il a envie de résister, hein. Il va pas résister longtemps. Hop là, voilà.
Allez, ça passe encore. Et de deux. Boum. Pardon. Allez. Troisième combo. Ne me demandez pas les dialogues en japonais, hein. Je ne parle pas du tout japonais. Et bon, c'est le seul moyen de jouer à ce jeu, hein, sinon. À moins de trouver une ROM traduite. Bon, on n'a pas besoin de que ce soit fatalement en langue européenne. Hein. Une fois qu'on comprend le principe. Oula, 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 il commence déjà joli. J'ai entendu Yatana. Quand on entend ça, c'est mauvais signe. Oui, comme ça. Alors, ben, je vais le finir rapidement. Oh, j'ai fait une double en tout cas. Oh, il va pas s'en sortir, hein, c'est obligé. S'il s'en sort, je sais pas par quel miracle. Hein. Non! Sérieux? Il a enchaîné, j'ai entendu. Hop! Et ben moi j'enchaîne derrière aussi. Il a voulu me faire mal, et ben je lui ai fait mal. Et ben voilà! Là c'était hyper rapide là sur ce coup-là. Il a même pas vu passer là. Il y avait Speedy Gonzales. Allez, quatrième combat. Attention. Là, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va me faire beaucoup de résistance. Alors, est-ce qu'il prépare bien ses coups? Alors, je l'ai déjà achevé d'avance là. Ah, attention. Ah, j'ai essayé de contrer, c'est bon. Allez, vite, on attaque pendant qu'il y a la possibilité. Oui, comme ça. Oh non, oh non. Ça y est, il commence à attaquer. Bon, ça va, j'ai limité la casse. Allez, allez, allez. Eh ben, je l'ai vaincu aussi. Eh ben, dis donc. Pas fort cette session, là. Oh, le bruit que ça fait. Ça fait vraiment des bruits kawaii. Yang. Yang. C'est l'invisible. Ouais. Ennemi caractère japonais. Sérieux? Ah, c'est parce qu'il est Rikiki. Bah, attention, il est peut-être pas Rikiki dans ses placements de pièces. Hein. Va faire faire attention. Là. Oula. Oulala, oulala, oulala. J'entends. Oulala, j'entends beaucoup enchaîner. Là, je reste un peu concentré, hein, c'est pas évident. Allez, on enchaîne. On va éviter d'en prendre dans la gamelle. Évidemment, j'ai entendu. Je vais en prendre plein la poire. Ça y est, Cosmic, il commence à être envahi. Oh, c'est vraiment mal parti pour en haut, là. Ça va, j'arrive à faire de la résistance. Ouais. Non, 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 non. Oh là là.
Oulala! comment voulez-vous résister là? C'est quasi impossible. Ah, c'est mort pour moi là. Ah non. Bon voilà, j'ai perdu. Dommage, dommage. Donc voilà, c'était Caustic Mat Gaming qui vous a fait le test de Puyo Puyo 2. Alors, j'espère que ceci vous aura plu. Donc je vous dis ben, à plus pour une prochaine vidéo et à plus pour un prochain test. Allez, salut. Je vous dis à bientôt. Salut, ciao, bye bye, c'était Caustic Mat Gaming.